pour le Seigneur Jésus. Amen. Oui, nous allons prendre à Exode chapitre 23. Le verset 20 au verset 23, lisons. Et voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon âge marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananaïens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Prions Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu savais que Seigneur, ce peuple allait être attaqué. Tu savais que le diable allait nous attaquer. C'est pourquoi tu nous avais donné toutes tes promesses. Et tu nous viens en aide quand le besoin se présente. Jésus-Christ, notre Dieu, bénis ton peuple, Seigneur. Certainement, il te croit. Il t'aime, Seigneur. Parce qu'en ce moment, Seigneur, la plupart des gens, ils sont dans des endroits de divertissement. Ils sont quelque part, Seigneur, autour d'une bière et dans leur fête de musique et tout consomme. Mais ces peuples n'ont pas suivi cela. Ils sont venus ce matin pour t'adorer parce qu'ils croient que Jésus-Christ est vivant. Il croit que l'Éternel Dieu est vivant. Père Tout-Puissant, ne les laisse pas repartir comme ils étaient venus. C'est du projet du diable de combattre la foi de tout un chacun. C'est le projet de l'ennemi de placer les obstacles sur le chemin des enfants de Dieu. C'est le projet de l'ennemi de s'opposer à la voix de l'Éternel. Mais Seigneur Jésus, c'est de ton plan de contourner Satan, de le vaincre et de placer l'ange au milieu de nous. Tu as marché avec les enfants d'Israël. Tu étais avec le Seigneur. Tu combattais pour eux. Tu étais un secours qui était toujours présent. De la même manière, Seigneur, tu nous accompagnes aujourd'hui avec la même présence qui était dans les buissons ardents. Cette même présence est venue sur notre prophète. Tu as envoyé William Branham. Tu lui as donné un message pour préparer les bouffes à la rencontre de l'épouse. Cette même présence est venue pour accompagner ces messages. Et ce matin, Seigneur, par la même circonstance, nous voudrons que ces présences surnaturelles puissent être au milieu de nous. Et que Satan et son royaume soient sous nos pieds. Père éternel, bénis l'assemblée, remplis les chaînes, remplis les balcons, prospère, guéris, remplis le Saint-Esprit, accorde tout ce qui manque, afin qu'après ici, nous sortons avec joie. Et que tu accompagnes chacun et qu'il y ait des témoignages, parce que tu es un Dieu vivant. Il n'a jamais échoué, Seigneur. C'est vrai que notre ennemi, il ne fait que des projets sur nous, mais avant de le faire, tu l'avais déjà vaincu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Je prends sous mon contrôle
les principautés des ténèbres, puissance et les je le prends sous le contrôle du Saint-Esprit. Je me place ici sur le chemin du devoir. Je voudrais, Seigneur, que tu m'utilises, que je sois un instrument. Nous savons que, Seigneur, aucun homme ne peut prêcher l'évangile. Aucun homme ne peut guérir une personne. Aucun homme, même pas un ange du ciel, mais c'est toi-même qui l'es fait au travers des hommes. Manifeste ta gloire, bénis ta présence, Seigneur. Je bénis mon frère qui m'interprète. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Prends tout ta main. Toi qui vois les cachets dans nos vies, Seigneur. Tu vois les cachets dans la vie de ton peuple. Viens trouver des solutions. Même aux problèmes que d'autres ne sont même pas au courant. Seigneur, trouve des solutions aux problèmes les plus difficiles de la vie de tout un chacun. Et la lecture de ta parole. Et le royaume de Satan, c'est quand tu l'as au nom du Seigneur. Que c'est le Saint-Esprit être le maître, conduise au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Oui. Io. Continuons à parler sur obéir à la voix de l'ange. Amen. Vous allez voir que l'Éternel Dieu plaça devant son peuple l'ange de l'Éternel. Pourquoi l'ange? Amen. Amen. Dieu est un grand être suprême. Dieu ne peut qu'agir au travers de ses instruments. Amen. Amen. Alors les anges, ce sont aussi des instruments de la part de l'Éternel. Maintenant ici nous voyons que c'était l'ange qui était dans le buisson. Et cet ange, c'était le Seigneur Jésus. C'est vrai que la révélation du nom de Jésus n'était pas encore connue. Mais l'ange, c'était le Seigneur Jésus. Le buisson était, n'est-ce pas, en feu, mais cela ne se consumait pas. Autrement, c'était des flammes de feu. Et c'est dans ces flammes de feu, c'est une voix qui sortait. Et la voix qui sortait, c'était le Jésus. Et qui était le Jésus? Amen. Amen. Le Jésus, c'était le Seigneur Jésus. Il était dans chaque génération. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors Dieu savait que son peuple serait combattu. Dieu nous a beaucoup bénis. Que cela relève toujours de la haine dans le cœur de Satan. Et seule façon de l'ennemi de parvenir, il doit s'inspirer dans certaines personnes. Amen. Amen. Qui n'ont rien à voir. Parfois aussi, par vos frères, par vos soeurs de l'église. Satan peut se glisser. Amen. Pour perturber l'ordre. Pour combattre les enfants de Dieu. Pour combattre votre bénédiction. Dans le cas d'Israël, ils combattaient leur bénédiction. Parce que Dieu leur avait promis une terre. Amen. Amen. Qui était Cana. C'était ça leur bénédiction. Aujourd'hui, Dieu nous a promis le millénium. L'épouse va au millénium. Mais avant le millénium, il faut vaincre les faux prophètes. Il faut vaincre le monde. Mais nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Amen. Amen. Quand Dieu appelle le peuple, alors Dieu le prend sous sa charge. Nous avons une prise en charge. Vous ne devez pas vous troubler la tête. Même quand les choses arrivent, cela ne devait pas te faire mal à la tête.
Parce que tu vis ici, mais tu es un Dieu qui veille sur toi. Tu peux arriver à perdre la relation. Si tu veux mener la vie chrétienne par tes efforts, ce que tu dois faire, c'est d'implorer Dieu, de prier Dieu. Le reste, c'est pas ton problème. Amen. Amen. Voyez même la voix, la parole de l'ange à Moïse. Dis au peuple de marcher. Dis-leur de marcher. Pourquoi crier? Pourquoi de plaindre? Pourquoi de crier? Pourquoi? Est-ce que l'Éternel n'est pas Dieu? Pourquoi crier? Si Satan est venu vous menacer, pourquoi crier? Vous savez qui vous a mis sur ce chemin? Dieu savait que le chemin qu'il vous plaçait, il y aura des tentations, il y aura des combats, on va vous en vouloir. Dieu le savait, mais Dieu a voulu que vous passiez par là. Comme c'est Dieu qui appelle aujourd'hui, il épouse, il guide son nom, Dieu prendra soin. Ce n'est pas vous qui combattez, mais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. Mais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. Qui est capable de voir un esprit quand cela pénètre dans une maison? Personne. Mais Dieu voit quand tu dors, quand Satan pénètre, il ne le voit pas. Même si Attaque. Tu as fermé tes fenêtres, tu as fermé tes portes, l'esprit va rentrer. Parce que l'esprit n'est pas physique. L'esprit est invisible. L'invisible ne va pénétrer ta maison. Mais qui le voit? Mais qui te protège? Mais quand tu dors, tu sais des choses qui se passent. Tu ne le sais pas. Mais un Dieu, il y a ton propriétaire. Il avait pris position pour toi. Il avait pris position. Il t'avait promis que allons au millénium. Mais il savait que le chemin vers le millénium, il fallait passer par la terre. Mais la terre, c'est là où Satan avait placé tout son quartier général. Le quartier général de Lucifer n'est pas au ciel. C'est sur terre. C'est là où vit l'homme. C'est dans les régions inférieures du monde. C'est ici où se place les sangs des grands magiciens du monde. C'est sur terre. Tous les grands sorciers se résident. C'est sur terre. Où les grands charlatans se résident. Dieu savait que son église passera ici, s'établira ici. Dieu voyait tous ces gens-là. Le royaume de Satan qui comptait en bas. Le royaume de Satan qui comptait dans la magie noire. Le royaume de Satan qui comptait dans les fétiches. Le royaume de Satan qui comptait par les sorciers, par la sorcellerie. Dieu le savait. Mais Dieu t'a placé ici. Mais Dieu, quand il t'a placé ici, il a dit, je serai avec vous. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec vous. Il nous a dit aujourd'hui, je serai avec vous. Les mains ne me verront point. Vous me verrez quand je serai en vous. Je vivrai comme je vis. Vous vivez aussi. Nous serons en lui. Mais si nous croyons en lui, c'est que nous sommes en lui. Mais si nous sommes en lui, il peut nous avoir. À moins que tu sois hors de lui. Amen. Ils vous combattront. Satan va nous combattre. Le ciel va nous combattre. Mais la victoire nous appartient. Parce que nous avons quelqu'un qui avait pris place pour nous. Et il a placé l'ange. C'est là que nous parlons. Obéis à la parole de l'ange. Obéis au message de l'ange. L'ange ne vous guérit pas. Mais l'ange, il a un produit de guérison. C'est Dieu qui le donne. Amen. Amen.
gens qui disent. Les temps des anges, c'est déjà passé. Et on a posé la question à Frère William Branham. Il dit c'est faux. Alors, dans le Kuta. Amen. Amen. Oh les anges. C'était seulement dans l'Ancien Testament. Depuis que le Saint-Esprit est venu, on ne parle plus des anges. C'est maintenant le Saint-Esprit. Et les gens ne comprennent pas. Pierre avait le Saint-Esprit. Pierre était emprisonné. Mais la Bible dit, l'un de l'Éternel est parti en prison. Il a pris Pierre. Suivant. Il est sorti avec Pierre. Il est parti avec Pierre. Mais Pierre avait le Saint-Esprit. C'est maintenant de la révélation. Est-ce que je fais comprendre? Paul avait le Saint-Esprit. Mais l'ange de l'Éternel à qui je suis le serviteur m'est apparu. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est là que le pauvre dit, nous avons les anges, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est l'ordonnateur, c'est l'ange, c'est le don que Dieu nous donne. Est-ce que je vais entendre les amens? Quand vous pénétrez dans la révélation, le Dieu de William Branham, la même colonne de feu, qui a confirmé la vérité ici, il va encore descendre encore pour confirmer encore que cette révélation est venue toi de lui. Et si vous ne comprenez pas, alors vous serez gardé là dans des chaînes. Le manque de la révélation et les démons vont continuer à vous marteler. C'est pourquoi vous voyez les gens, certains malgré ce qu'ils voient, ce que Dieu fait, mais ils continuent toujours à douter. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. Quand vous voyez Dieu agir, aidez de vous votre crédibilité et Dieu fera plus que ce qu'il a fait. Et écoutez, mon ange marchera devant toi. Mais qui avait mandaté là? C'est l'Éternel. L'Éternel aujourd'hui. Amen, amen. L'Éternel c'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Dieu aujourd'hui, c'est lui le donateur des dons. Si l'ange était don, c'est le Saint-Esprit qui ordonne. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. Je lui ai dit, je vous le ne serait pas ici, mais ce que le Père m'a, je vous le donne. Le consolateur qui était en lui, c'est la plénitude de la divinité. C'est pourquoi mes frères, c'est toute la plénitude de la divinité qui meurt dans le pouce. Est-ce que vous me comprenez? Autrement l'Éternel Dieu, esprit, s'est rempli maintenant dans les champs. Mais n'empêche que il perd des anges autour de nous. Les anges, ce sont ses serviteurs. Ce sont ses esprits. Ils travaillent pour notre bien. Ils sont là pour notre bien. Amen. Amen. Nous avions appris qu'il y avait une piscine là-bas. Bethesda. Et cette piscine, les gens se plongeaient. Et les malades étaient guéris. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine? Qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine? Amen. Amen. L'ange de l'Éternel, l'ange descendait, l'ange bougeait les eaux, et les gens qui plongeaient étaient guéris. L'ange de la guérison. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Qui a envoyé cet ange? Qui a envoyé cet ange? C'est l'Éternel. L'ange descendait. Et quand Jésus est venu, il était aussi l'ange. L'ange puissant. La colonne de feu, c'est l'ange. Mais il a des anges aussi. Comme les Gabriel. Absent. Plusieurs anges. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus aussi était l'ange puissant. Avant la destruction de Sodome, nous avions appris qu'il y a eu trois messagers qui étaient allés vers Abraham. C'était des anges. Mais l'un d'eux était Elohim. Je vais entendre les anges. Abraham l'a appelé Elohim. C'est lui qui existait par lui-même. Mais il était un ange. Pourquoi ange? Il était en mission. Qui est un ange? C'est un envoyé de Dieu. Et quand vous écoutez la parole de l'ange, vous avez écouté Dieu. Et quand vous écoutez Dieu,
Et cela aura des effets. Mais si l'ange va de lui-même, il n'y aura pas de l'impact. Il faut que ça soit la mission que l'Éternel envoie l'ange. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Quand vous allez avec la parole de l'Éternel, l'Éternel prendra soin de vous. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel va marcher avec vous. Si c'est lui qui vous envoie. Mais si c'est toi qui s'est fait envoyer, alors ça ne sert pas. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Si c'est l'Éternel qui t'envoie, quand Gabriel est venu vers Marie, c'était une mission de la part de l'Éternel. Et quand Marie a reçu Gabriel, quand Gabriel a parlé, il mettra au monde un enfant. On l'appellera Emmanuel. Jésus, Dieu parmi nous. Marie a dit Amen. Si c'était seulement la parole de l'ange, l'enfant n'allait pas se former. C'était la parole de Dieu au travers de l'ange. L'ange n'a été qu'un porteur d'une bénédiction. Est-ce que je vais comprendre? Quand Marie a dit Amen, l'enfant s'est mis à se former. D'où venait l'enfant? De l'Éternel. Ce n'était pas la parole de l'ange, c'était la parole de l'Éternel. Mais ils sont des instruments que Dieu utilise. Amen, amen. C'est là que le prophète de Dieu dit, le temps d'opérer les miracles n'était pas William Branham. Mais cela était invisible. Mais cela accompagnait un homme de la chair. Amen. Amen. Dit, mais cela était invisible. C'est cela qui accompagnait le prophète. C'était l'ange de la part de l'Éternel. Il venait de temps en temps quand le prophète priait et jurait. Il dit, je ne connaissais même pas son nom. Mais l'ange là venait. Et parfois je sentais sa présence. Parfois je le voyais. Parfois il marchait dans ma chambre. Et surtout quand j'étais en jeûne et prière, je le voyais souvent. Cet ange là. Alléluia. Cet ange là. Qui est-ce? C'est le don que Dieu donne pour être ministère. Amen. Et dès qu'il est là, alors William Branham peut lancer les défis. Amen, amen. Parce qu'il sait qu'il est déjà là. Et quand il venait avec un feu de la part de l'Éternel. Et c'est Dieu qui place cet ange dans ce ministère. Et cet ange marchait là. Il était ressemblé à un homme. C'était l'ange. Amen, amen. Il peut apparaître parmi les lumières comme cette colonne de fer. Amen. Il travaille au service de Dieu. Et chaque ange a une mission. Mais pour le cas de l'enfant d'Israël, c'était l'ange de l'Alliance. C'était la colonne de fer. C'était le Seigneur Jésus. C'était le Jésus. Et quand Paul a encore croisé la colonne de fer, la voix dit Jésus. Amen. La colonne de feu, c'est l'ange puissant. C'est l'ange de l'Éternel. C'est la première forme de Dieu en esprit. Dieu lui-même s'est projeté à une mission. Amen. Vous allez voir que Jésus aussi était l'ange. Et quand il est venu, il a dit, le Fils ne peut rien faire. C'est ce que le Père dit. Les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui demeure en moi. Vous allez voir que l'Esprit sans fin, la plénitude de la divinité, Dieu Esprit avait une demeure de chair. Dieu Esprit avait quitté le ciel. Dieu Esprit, le ciel s'était vidé. Il avait pris un corps de chair. Il s'était rempli dans ses corps. Il a marché. Il a marché. Toute la plénitude. Dans un seul homme. Il a marché. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu? Qui m'a vu? Il a marché. Il était la matérialisation du Dieu le Père. Amen. Mais quand Gabriel vient, il n'était pas la plénitude. Il était l'envoyé simple. Amen, amen. Quand il envoie un autre ange, alors il vient pour accomplir une mission.
Amen. Amen. Mais il n'est pas à la plénitude. Jésus aussi était prophète. Mais il était prophète Dieu. Il a travaillé. Amen. Il est venu sous le signe de prophète de l'âge. Il était venu étant un prophète de l'âge. Mais il était Dieu lui-même. Plus que prophète. Amen. N'empêche, il a ses sujets qui travaillent sous son ordre. C'est pourquoi le Père était dans le Fils. C'était pour accompagner l'Église. Amen. Il dit maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas le don. Le prophète dit, c'est lui que vous allez voir dans. Voir en action ici, c'est lui qui chasse les démons, c'est pas William Branham. Est-ce que je me fais comprendre? C'est lui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Mais le don, l'ange, vous convainc et vous amène dans la présence de lui-même. C'est lui-même qui a les derniers mots. Mais si l'ange a la parole de l'Éternel, et que tu dis amen à la parole, alors le problème trouve la solution. Parce que c'est Dieu qui le mandate. Il dit, c'est celui que Dieu a envoyé. Moi, je ne parle que lorsqu'il parle au travers de moi. Il dit, c'est lui qui voit les visions. Je peux être là. S'il ne commence pas à me montrer, comment je peux voir? Amen. Il devait ouvrir l'œil spirituel. Il commence à voir les vies des gens. Tout ce qu'ils ont fait du mal. Et ce qu'ils doivent faire, c'est repentir. Amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous aide. Dieu a placé des dons. Dieu a placé des hommes. Dieu a placé des anges surnaturels. Ce sont des esprits que nous ne pouvons pas voir à moins que Dieu nous les révèle. Parce que la révélation vient de Dieu. Pour voir qu'il est ici, il faut que l'œil spirituel s'ouvre. Mais quand il vient, c'est pour une cause donnée. Quand il descend, c'est pour une cause donnée. L'ange ne vient pas pour venir. Quand l'ange descend, je vais entendre les amens. Quand l'ange descend, parce qu'il a le besoin, parce qu'il a envoyé quelqu'un, et à tout moment que cette personne est dans le service, il y a un esprit angélique surnaturel qui accompagne cet homme, qui accompagnait Israël, qui accompagnait Moïse. Amen. Il dit, mon ange marchera devant toi. Il ne faut pas avoir peur. Que l'ennemi se lève comme un vent, je serai avec toi. Comment Dieu peut marcher avec un peuple? C'est quand il nous envoie ses anges. Amen. En étant hospitalier, pourquoi on reçoit les anges sans les savoir? Si tes anges ont été mandatés par Dieu, quand nous les recevons, nous recevons l'Éternel. Nous recevons l'Éternel. Et il nous délivre de nos problèmes. Il nous délivre de nos situations. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est ramener un mortel à croire à un mortel. Dieu a pris un mortel qui était Moïse. Il a ramené Moïse. Il a ramené Branham avec un don divin pour que les autres le croient. Pour conserver la vie, vous devez le croire. Mais c'est quoi la désobéissance? C'est ces démons qui s'infiltrent, qui s'inspirent sur le fils de la rébellion pour commencer à s'opposer comme Dathan et Corée. À s'opposer de la commission de Dieu. À s'opposer du don de Dieu. Sachez que si vous avez un don surnaturel, les démons surnaturels combattront ces dons-là. Satan combattra ces dons-là. Israël était combattu. Mais la force, c'est qu'ils ne pouvaient pas perdre la victoire tant qu'ils étaient dans les camps. Quand ils écoutaient la
voix de l'ange, quand ils avaient l'obéissance à la parole de Dieu, la victoire était leur héritage. C'est pourquoi, mes frères, à tout moment, nous avons droit à obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre recevoir la bénédiction de Dieu au moment où tu es en train de vivre dans le vol, dans le mensonge, dans la souillure. Tu ne peux pas prétendre recevoir la bénédiction de Dieu au moment où ta vie ne glorifie pas Dieu. Au moment où il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Tu ne peux pas prétendre recevoir l'aide de la part de Dieu au moment où tu es incrédule. Tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Tu n'es pas respectueux à la parole de Dieu. Et tu ne respectes même pas l'ange, même la parole, même l'homme qui te prêche. Tu ne verras pas Dieu. Et quand vous recevrez l'un de ces petits, c'est moi que vous aurez. Mais si tu minimises l'un de ces petits, tu as minimisé Dieu. C'est pourquoi, mes frères, faites attention avec ces esprits-là. Si cela s'inspire en vous, cela vous rendra impoli. Et vous deviendrez un peuple querelleuse. Qu'est-ce qui s'est élevé au milieu de ces enfants d'Israël? C'était le murmure. C'est ça, l'armée du diable. C'est ça qui vient pour combattre votre bénédiction. Dieu veut vous voir dans la joie. Dieu veut vous voir dans la soumission. Dieu veut vous voir dans la crainte de Dieu. Mais d'où vient ce lutte? D'où vient ce murmure? D'où vient la discorde? D'où vient ces apparences qui ne sont pas de Dieu? Un frère, une sœur, dont la joie rayonnait dans sa face, il ferme maintenant le front. Il voit ses frères, il fuit. Il se cache. Tu sens que il est animé par l'esprit démoniaque. Et vous êtes loin de la bénédiction de Dieu. C'est ça le travail de Satan dans ta vie. S'il peut t'amener à fuir la présence de Dieu, il va s'inspirer en toi et tu vas commencer à haïr les frères. Il va combattre l'amour divin. Et tu deviendras un frère querelleux. Et tu deviendras un frère, le saint de toute l'église. Et tu vas commencer à critiquer tout le monde. Mais parfois c'est toi qui es le plus mauvais. Mais parfois c'est toi qui es le plus rancuné. Pourquoi Satan? Pourquoi il suscite toujours ses envies aux gens? C'est une manière de vous empêcher la bénédiction. C'est une manière de vous empêcher que vous recevez quelque chose de la part de Dieu. Il va vous rendre un frère à problème, plein de discord. Dieu, c'est l'humilité, la soumission, l'obéissance. Tu sors depuis de chez toi à la maison, tu vas aller écouter la parole de Dieu. Depuis, il y a un esprit. Peut-être que tu as ramassé en rue, à la rue, et tu arrives dans l'assemblée des jeunes. Tu commences à voir que tu es plus que les autres. Tu commences à critiquer. Est-ce qu'il y a Dieu là-bas? Est-ce que je vais voir? Sache-le que mon frère, tu as été de là envoûté. Est-ce que vous me comprenez? Il faut chasser cet esprit. Dieu, c'est l'obéissance. Quand vous écoutez la parole, vous obéissez à la parole. Je vous ai dit, l'église de Pointe-Noire, que les pasteurs, ils ont prié le matin, mais leur pasteur leur a dit, nous avons reçu un homme de Dieu, revenez encore à 15h. Il a une grâce de Dieu. Il va prier pour les malades. Amen. Amen. Mais on revient à 15h, les gens qui ont prié le matin, ils sont plus chauds que le matin. Regarde la chaleur qui circule à ça. Et Dieu aussi a donné le Saint-Esprit. Tu vois un croyant qui arrive à l'église, il se met 10 minutes, il passe,
place. Il commence depuis son cœur déjà à gémir. Ah, ça met du temps ici. Mais il peut passer 3 heures du temps devant sa télé. Sur son téléphone. Sachez-le que ce n'est pas Dieu qui est à l'intérieur. Quand tu ne peux pas supporter l'amour de Dieu, la parole de Dieu, rester dans la présence de Dieu, c'est que tu n'es pas encore délivré. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Quand tu n'es pas en soif de la justice, soif de la vie de prière. Quand tu n'es pas en soif de jeûne et de prière. Quand tu n'es pas en soif de veille et de prière. Quand tu n'es pas en soif de la lecture de la parole. Quand tu n'es pas en soif de la crainte de Dieu. Quand tu n'es pas en soif de la soumission à Dieu. Sachez qu'il y a un esprit qui t'est passé. Tu dois lui dire Satan libère ma vie. Il faut que tu sois dans la joie. Quand tu entends la voix de l'Éternel. Quand nous disons, lisons dans Luc 5, lisons dans Luc chapitre 10, ton cœur doit bouillonner de joie. Parce que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand vous êtes obéissant à l'écoute de la parole, Dieu va vous amener dans la gloire. Dieu va vous amener dans la gloire. Dieu va vous amener dans la gloire. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Ne soyez pas un mercenaire. Ne soyez pas un opposant de Dieu. Ne soyez pas un incrédule. Ne soyez une fille de Dieu. Ne soyez un fils de Dieu. Soyez une enfant de Dieu. Soyez un enfant de Dieu. Qui est soumise à la parole de Dieu. Donne ta vie à l'Éternel. Donne ta vie à l'Éternel. Dis à Satan, libère ma vie. Libère mon cœur. C'est le temple du Saint-Esprit. Libère-moi. La joie du salut. Si cela n'est pas en vous, c'est qu'il y a quelque chose. Satan vous a eu. Satan vous a convaincu. La joie du salut doit rayonner ta vie. La joie du salut doit marcher avec toi. Mais si tu n'es pas content dans la présence de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, dans les cantiques de louange, dans l'adoration, tu seras content à quoi? Aujourd'hui, croyant, demain, rétrograde. Après demain, j'avais trop à faire. C'est pourquoi je ne viens pas à la prière. Mais quand vous restez loin de sa voix, c'est là que l'ennemi va vous détruire. Vous devez écouter sa voix. Vous devez continuer à l'adorer. Que la présence de Dieu puisse inonder ta vie. Tu ne viens pas ici pour quelqu'un. Tu ne viens pas ici pour quelqu'un. Tu ne vas pas à l'église pour chercher la faveur de quelqu'un. Mais tu vas pour croiser Dieu. Tu vas pour voir Dieu. Tu vas pour recevoir Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas content? Mais pourquoi tu n'as pas la joie du salut? Mais pourquoi tu ne peux pas dire amen? Mais pourquoi tu ne peux pas louer Dieu? Pourquoi tu ne peux pas élever Dieu? Mais pourquoi tu as toujours l'orgueil? Mais pourquoi tu n'es pas humble? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu ne peut pas trouver plaisir dans ta vie. Pourquoi ta vie ne peut pas louer Dieu? Pourquoi tu ne peux pas participer à la gloire de l'Éternel? C'est qu'il y a un esprit étranger qui n'est pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient à la chambre haute, quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient le même agissement, le même alléluia, le même courage, la même joie, parce que c'était le même esprit qui était dans Paul, qui était sorti dans Pierre. C'était le même esprit qui était dans Jean-Baptiste, qui était aussi en Jésus. Il ne pouvait pas avoir les luttes, il ne pouvait pas avoir les guerres, parce qu'il avait le même esprit. Mais pourquoi aujourd'hui, toi tu es la soif de Dieu, mais toi tu n'as pas soif de Dieu? Pourquoi aujourd'hui?
toujours négatif. Toi tu penses toujours mal. Toi tu vois toujours mal. Si cela vous accompagne, vous deviendrez comme Jésus. Vous deviendrez comme Jésus. Vous deviendrez comme Jésus. Si vous ne deviendrez pas comme Jésus, c'est que rien ça ne veut pas. C'est que rien ça ne veut pas. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 12 et verset 6. La Bible dit la nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Je suis au verset 7 de Actes chapitre 12. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi, porte-moi. Lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. La parole prononcée de l'ange a fait tomber les chaînes. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit. Et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Parfois il se disait: c'est pas un sort. Et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il y passait la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, quand il descend, rien que sa présence, 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 ton cancer partira. Rien que sa présence, ta maladie partira. Rien que sa présence,
présence na yo. Pourquoi sa présence? Parce que la gloire de l'Éternel marchait avec l'ange de l'Éternel. La gloire de l'Éternel marche avec un homme béni de Dieu. Si je suis un homme béni, je marcherai avec la gloire de l'Éternel. Et quand je me placerai ici, ce n'est pas moi. Aucun homme ne peut guérir. Mais le Dieu qui a mandaté, il marche avec son homme. Il marche avec son serviteur. Peu importe ton problème. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Avec une commission. Avec une mission précise. Il vient pour ta délivrance. Il vient pour couper ton chaîne. Il vient pour te délivrer. Il vient pour te sortir de la malédiction. Il vient pour te délivrer. Il est ici. Il vient pour te délivrer. Il vient pour te sortir dans l'ombre de la mort. Il vient pour te dans la gloire de l'Éternel. L'ange, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, il vient avec la gloire de l'Éternel. Il vient de quoi? Libérer les captifs, libérer les captifs. Il vient pour te libérer, il vient pour te délivrer, il vient pour couper tes chaînes, il vient pour te couper tes chaînes, il vient enlever la mort, il vient enlever la maladie, il vient placer la délivrance. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de la part de l'Éternel, l'ange de la part de l'Éternel. Quand il est descendu à la piscine, il bougeait les eaux, les problèmes libérés, les gens recevaient la délivrance. Pourquoi l'ange? C'est de Dieu. Il a le mandat de Dieu. Il a la parole de Dieu. Il a l'autorité de Dieu. Il a été mandaté par Dieu. Et quand il descend, avant que Dieu ne l'envoie, Dieu a vu déjà des problèmes. Dieu a vu déjà des situations. Dieu envoie l'ange. Quand Dieu envoie l'ange, c'est pour libérer. C'est pour libérer. Et la mer rouge devait se séparer. La mer rouge devait se séparer. C'est pourquoi mes frères, dans une assemblée, l'ange de Dieu, si vous croyez à l'homme que Dieu a envoyé, peu importe votre problème, vous sortirez guéri. Vous sortirez délivré. Parce que c'est pas l'homme, mais Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. Il descend pour libérer les captifs. Il est déjà là. Assis à Komi. L'ange est déjà là. À Komi Awa. Il est déjà là. Assis à Komi Awa. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. J'ai dit l'ange est déjà là. Peu importe ton problème, maintenant l'ange est là. Et quand il est là, avec une mission, avec une mission, la délivrance, la guérison, le baptême du Saint-Esprit, le salut des âmes, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi, te conduira, et les Amoréens te conduira, et les Phérésiens. Mon ange, mon ange, quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Jésus-Christ, Jésus-Christ est premier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, le Jésus, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, le guérisseur, le compatisseur. Quand tu viens ici, ne me vois pas. Quand tu viens ici, vois Jésus. Il va te raconter. Il
aucun homme ne peut guérir. Aucun homme ne peut délivrer. Même l'ange ne peut pas. Mais ce qui délivre, c'est le Père. Ce que je fais, c'est le Père qui demeure. C'est celui qui fait les choses. C'est l'Éternel. La liberté en chair dans les corps du Seigneur Jésus. Et maintenant nous parlons. L'Église a besoin de la délivrance. L'Église a besoin de la guérison. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Et qui donne le Saint-Esprit? Qui donne le Saint-Esprit? Qui donne le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Mais Dieu ne peut pas travailler à l'ange. Que William Branham, c'est son prophète.
Alléluia. Que le Saint-Esprit s'allume. Que le Saint-Esprit s'allume. Même si tu étais enchaîné, même si tu étais enchaîné, j'ai dit, il est là, là. À l'objet de la Sikaoyo. Si vous me croyez, c'est Jésus qui m'avait envoyé. Si vous me croyez, vous connaissez ce qu'on va faire. L'ange de l'éternel, mon ange marchera devant toi, te conduira. Mon ange en gagne. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus n'est changé. Ah, il est le même, Dieu. Hey, Jésus. Il est le même, Jésus. Ah, il est le même. Jésus est le même. Jésus est le même. Oh, à humanité. Humanité. Jésus. À humanité. Jésus à humanité. À humanité. À humanité. Jésus. Abonguanite, Yesu abonguanite, abonguanite, Yesu abonguanite. So, il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Il est le même.
Jésus et est le même. Jésus ne change pas. Alléluia, 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 la Yeshua. Hey! Alléluia, alléluia, na Yeshua. Alléluia, yeah, alléluia, yeah, alléluia, na Yeshua. Alléluia, 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 na Yeshua. Oh, lika di la mato, Yeshua Masia, yeah. Alléluia, na Yeshua. Alléluia, 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 na Yeshua. Oh, allo qui maladie, allo qui coupoyé. Alléluia, na Yeshua. Alléluia, 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 na Yeshua. Ah, alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Yesu Masia, alléluia, Yesu, alléluia, 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 na Yesu. Oh, longi kupoye, Yesu Masia, alléluia, Yesu, alléluia, 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 na Yesu. Oh, dame la polo, Yesu Masia, alléluia, Yesu. Alléluia, na Yesu. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 dans vos cœurs. Alléluia, je voudrais faire plus que ça. Enlevez les tout dans vos cœurs. Alléluia, il est ici. Alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, dame l'élonga, Yesu Masia, alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, longi kufa, longi maladie, alléluia, na Yesu. Yesu Masia, alléluia, Yesu. Moli monio se ama be. Vous avez étouffé maintenant. Il y a la gloire de Jésus. Satan, loin de l'assemblée. Que le don de Dieu soit manifeste. Comme à la chambre haute. Comme à la chambre haute. Démon de l'étouffement, sortez. Allez aux endroits de la rive. Que le don de Dieu soit manifeste. Que la force de Dieu soit manifeste. Comme à la chambre haute. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 Yesu, alléluia, 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 Yesu, alléluia, 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 na Yesu. Yesu Masia, alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia,
Bala Kede Alali Hey Oh Balali Bala Kede Battez les mains, chantez fort. Hey Alali Alali Oh Yesu Masiya Kede Je te dis, sors, libère.
Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Douleur corporelle. L'homme de la mort. N'importe quel démon. Père de l'homme. Sautez. 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 Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Que le feu du feu t'embrasse au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez délivrés. J'ai détruit les hôtels de Satan dans ta vie. Satan, libère cet homme. De tout ce que Dieu a fait. Libère. Pour moi. Libère. Libère cet homme. Toujours des démons. Il est écrit, ils imposeront les mains. Ils chasseront les démons à mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan sort. Satan sort. Libère ce corps. Libère. 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 Christ, devant le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie de le guérir. Je te prie de le délivrer de ce mot corporel. De ce mot corporel. Je te prie de le libérer. Je te prie de le guérir totalement. Merci Seigneur. J'étais éloigné de ta parole. La loba qui n'a eu aucun capot la moitié. La loba qui n'a eu un pima. La loba qui n'a eu un pima. Sors. Satan, libère. Viens. J'ai de l'œil dans ce corps. J'ai de l'œil. Le royaume de Satan. Démon têtu. Libère. 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 J'ai dit libère, libère, libère. Libère. Il est écrit, ils imposeront les mains. Les malades seront guéris. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau dans ce corps. J'ai détruit le royaume de Satan. Au nom de Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. J'ai de l'eau n'importe quel démon. Père, sœur, on l'a péré. Il m'a montré le chemin. Lumière. Lumière. J'ai dit libère ce corps. Lumière. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Je te prie de les délivrer de toutes les morts. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Démonte tu. Alléluia. Libère ce corps. Sortez, sortez, sortez. J'ai dit libère, 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 libère là. Que le feu du feu t'embrasse au nom de Jésus. Que le feu du feu t'embrasse au nom de Jésus.
Quand tu crois, ta foi t'a